La problématique de l'employabilité et de l'emploi des jeunes a toujours été une préoccupation majeure pour le président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, qui, à cet égard, lui accorde un intérêt tout particulier dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques de développement socio-économique. Cette volonté présidentielle, toujours réaffirmée, de répondre avec efficience aux attentes et besoins des citoyens sénégalais se traduit à travers les belles performances enregistrées dans l'exécution du plan Sénégal émergent qui ambitionne de créer les conditions nécessaires à l'émergence pour tous à l'horizon 2035. Le problème de l'employabilité des jeunes a toujours été une préoccupation centrale des actions du président de la République. C'est pourquoi, en déclinant donc les actions stratégiques du PSE, le président de la République a été très sensible à la professionnalisation et à l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du monde du travail. Parce qu'il est convaincu que sans une ressource humaine qualifiée, sans une ressource humaine pertinente, on ne peut pas parler d'émergence sans pour autant avoir une maîtrise de la science, des technologies et de l'innovation, sans pour aussi avoir des connaissances en STEM et dans les TIC. Pour rappel, le PSE constitue le programme de développement national de référence dont l'axe 2 priorise, entre autres, l'adéquation entre les offres de formation et les besoins des entreprises et industries, en passant notamment par la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles à cycle court. Les stratégies mises en œuvre ont ainsi conduit à la création d'un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, communément appelé ISEP, en application de la décision numéro 1 du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur du 14 août 2013. En 2013, le président de la République a instruit au gouvernement d'organiser des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et au cours de ces discussions, deux décisions majeures étaient prises. La première décision était la réorientation de l'enseignement supérieur vers l'enseignement supérieur professionnel. Et la deuxième mesure, c'était donc la mise en place des ISEP. Les ISEP ont pour objectif de construire les compétences nécessaires à un développement endogène et durable des territoires sénégalais. Ils visent à mettre à la disposition du bassin de l'emploi de leur zone d'implantation des techniciens supérieurs aptes à porter avec succès des programmes et projets de développement adaptés à leurs spécificités géographiques et socio-économiques. 14 ISEP au moins sont prévus pour les 14 régions du Sénégal et chaque ISEP est conçu suivant les besoins socio-économiques de la région. À ce titre, les ISEP se veulent être des réponses bien pensées et territorialisées à la lancinante question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes Sénégalais. Il en est ainsi de l'ISEP de Diamniadio. En effet, cet établissement public, l'un des 5 premiers déjà opérationnels dans notre pays, offre des formations de courte durée qui sont élaborées selon les paradigmes d'un apprentissage innovant et centré sur l'apprenant. L'ISEP Diamniadio offre des formations dans deux grands domaines, dans le domaine de l'automobile et dans le domaine des TIC. Dans le domaine de l'automobile, nous avons 4 filières. Nous avons la filière mécanique générale, la filière électricité électronique, la filière carrosserie et peinture et la filière froid et climatisation. Pour ce qui est des TIC, nous avons 6 filières. Il y a d'abord les 2 filières de développement, back-end et front-end. Il y a la filière de performance digitale. Il y a la filière de réseau, sécurité, IoT et tout ce qui concerne les télécommunications. Il y a aussi 2 autres filières sur les bases de données, à savoir l'administration des bases de données et la gestion des bases de données.
Le système pédagogique adopté par l'ISEP de Diamia Diop répond activement aux normes et principes pédagogiques qui sont en vigueur dans l'approche par les compétences, en vue de rendre immédiatement opérationnels les techniciens supérieurs issus de la formation. À cet effet, les différents programmes proposés par l'ISEP de Diamia Diop sont organisés autour d'un système d'alternance pédagogique école-entreprise et préparent à l'obtention d'un diplôme supérieur d'enseignement professionnel appelé DISEP au métier de l'automobile et des TIC. Les ISEP offrent des formations courtes sur une durée de 2 ans avec à la sortie un diplôme qu'on appelle le DISEP. Diplôme supérieur d'enseignement professionnel. Donc, un apprenant qui sort de l'ISEP, après 2 ans de formation, sort comme un technicien supérieur. 6 mois après le démarrage de ses activités d'apprentissage avec ses tout premiers apprenants en 2020, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamia Diop a accueilli en janvier 2021 447 nouveaux apprenants. C'est ainsi que le 1er mars 2021, un amphi de rentrée auquel ont été invités des managers d'entreprise en activité dans les métiers de l'automobile et des TIC a donné l'occasion à de belles retrouvailles entre les responsables de l'équipe administrative, les formateurs et les apprenants pour démarrer en toute beauté la nouvelle session académique. La mise en place du budget qui est préparé coordonné par le CSA, avec la participation de tous les services concernés au niveau de l'ISEP de Diamia Diop. Ce budget nous permet de prendre en charge toutes les préoccupations de l'ISEP de Diamia Diop, tant sur le plan personnel que sur le plan de la mise en place des outils de travail pour les apprenants. Mais nous avons avec nous une équipe composée de femmes et d'hommes très engagé dans le cadre de ce projet-là, qui nous tient vraiment à cœur. On a commencé les enseignements apprentissage le 1er septembre 2020. Ça fait 6 mois. On reçoit la 2e promotion. Il faut souligner qu'en vue de réaliser les performances attendues des ISEP, l'État du Sénégal a mis à leur disposition un budget annuel conséquent qui vise à faciliter le bon déroulement des apprentissages, avec notamment l'acquisition d'équipements et de matériel pédagogique de dernière génération et le recrutement de personnel qualifié. Durant la première année académique 2020-2021 de l'ISEP de Diamia Diop, la nouvelle équipe a développé des stratégies pragmatiques et innovantes pour une évaluation efficace des apprentissages et ce, dans une démarche qualité adossée à un continuum dynamique d'amélioration des référentiels de formation et dans une parfaite synergie avec les apprenants et les partenaires du milieu professionnel. Ce modèle, comme tous les autres modèles des ISEP, a été conçu en fonction ou en synergie avec les professionnels du domaine. Mais dès lors qu'il a été conçu, il faut d'abord l'éprouver, il faut l'implémenter. Nous sommes en train de le dérouler. Alors que ça soit formation, référentiel de formation, référentiel métier, référentiel de compétences et même jusqu'à la certification. Les mêmes professionnels, ou du moins les professionnels qui ont contribué à l'élaboration de ces référentiels, vont venir appuyer au niveau de la formation. Et la formation se déroule en alternance. Donc une partie, 70% en atelier ou en entreprise et 30%, voire même moins, au niveau effectivement des salles de classe, que ce soit les modalités d'enseignement, cours magistraux, TD ou TP. Mais dans la pratique, ils vont quand même faire le maximum de leur temps, 70 voire 80% de leur temps en entreprise. Raison pour laquelle ce sont les deux, c'est en même temps le fait de dérouler la formation et mis encore le deuxième aspect, le fait effectivement de rectifier si évidemment il y a des choses à rectifier, parce qu'on ne peut pas quand même avoir des référentiels et peut-être à long terme toujours maintenir les mêmes choses. Parce qu'il va falloir, selon les besoins, selon le contexte, selon les besoins des professionnels, l'améliorer, y intégrer d'autres éléments si évidemment les gens le demandent et qu'on voit qu'en réalité qu'il faille véritablement changer
pour qu'on ait au moins une amélioration. La centralisation des activités pédagogiques sur les apprenants est au cœur des décisions administratives de l'ISEP de Diamniadio. Ceci invite à une prise en charge optimale des besoins des apprenants, particulièrement à la prise en charge de leur situation médicale et de leur sécurité dans ces espaces de formation. Pour l'année 2020-2021, les apprenants de l'ISEP de Diamniadio bénéficient, comme à l'accoutumée, d'une prise en charge médicale, surtout en cette période marquée par la pandémie de la COVID-19. Il a été en effet mis en place au sein de l'Institut un comité chargé de veiller au strict respect des règles du triptyque santé, sécurité, hygiène pour assurer le bien-être de ses usagers. Pour la visite des apprenants, on a axé notre visite sur la vision des couleurs. C'était pour pouvoir au moins diagnostiquer tous les daltoniens, parce que former un mécanicien daltonien constitue un risque. Maintenant, on a fait le dépistage des daltoniens, on a fait le dépistage du diabète, on a fait le groupage aussi pour les mécaniciens, pour éventuellement leur permis de conduire. Tout ça, ça a été fait avec la visite de rentrée. Maintenant, pour l'équipe santé-sécurité, on a mis une équipe sur place dans la lutte contre la COVID-19. Pour cette comité, on avait axé notre lutte sur le lavage des mains, l'utilisation de gel et le port de masque. Chaque matin que j'ai fait, je suis devant la porte pour au moins vérifier le lavage des mains de tous les apprenants et le port de masque de tous les apprenants, comme le corps professoral qui entre dans l'établissement. La consultation, elle est gratuite. Les médicaments aussi sont gratuits. Appuyé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le comité de santé, sécurité et hygiène de l'ISEP de Diamniadio a pour rôle principal de garantir la pleine application des gestes barrières qui sont édictés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en vue de stopper la progression du virus dans notre pays. L'authenticité de l'ISEP de Diamniadio réside dans son choix de modèle pédagogique, son réel ancrage dans les réalités des milieux professionnels devant accueillir ses alumni, la qualité de ses équipements pédagogiques de dernière génération et le bel engagement de ses personnels. Dès que les enseignements commencent, on les met en situation professionnelle. Donc, on les met en situation réelle. Parce qu'en fait, c'est le modèle qui est adopté pour les ISEP, parce que c'est le modèle le plus pertinent. Et c'est ça qui fait en fait la différence avec les formations professionnelles classiques, parce qu'avant, ce qui se passait, c'est qu'on formait l'étudiant, on peut le former sur 2 ou 3 ans, et à la sortie, même si l'apprenant trouve du travail, son employeur est obligé de le reformer dans le métier. Alors qu'ici, ce qui se passe, c'est que dès que la formation commence, l'élève est mis en situation professionnelle, et ceci va lui permettre d'être immédiatement opérationnel après la formation. Donc, un étudiant qui sort de l'ISEP de Diamniadio est immédiatement opérationnel. Les choix pédagogiques opérés par l'ISEP de Diamniadio lui confèrent à juste titre le statut d'établissement de formation professionnelle et le démarque des universités classiques sénégalaises avec à la clé des apprenants immédiatement opérationnels au terme de leur formation. Avec l'ISEP de Diamniadio, c'est la réussite professionnelle garantie.